Je venais de monter ma boîte, toi tu venais d'arriver chez France et Bouche et t'étais venu me vendre des mouvements. Exactement, je te demandais des mouvements que tu avais toi-même vendus là, les années d'avant. C'est bon, c'est excellent, oui, je me souviens de ça. Ouais, c'est ça. Et là, tu n'avais pas monté la marque MAF. J'ai fait France et Bouche pendant 5-6 ans, ils m'ont envoyé à Hong Kong, tu sais, j'ai fait un passage là-bas, puis j'ai vécu 10 ans à Hong Kong, donc c'est dû à mon retour en fait. Je suis rentré en 2007 pour justement pousser la marque. Donc avec les sauveteurs en mer, c'est pas mal parce qu'il y a toujours le côté professionnel, mais il y a aussi une belle mission et puis il y a le côté romantique de la mer. Alors il y a une dimension sociale aussi puisqu'on reverse 10% aux sauveteurs en mer. D'accord. L'identité de la SNSM, c'est la couleur orange. Ouais. Et on a fait un fond bleu et un fond sable. Et l'épaisseur du verre? 2,8 mm. Ouais, t'as toujours aimé. C'est des questions d'horloger. Mais ils sont. En fait, le verre saphir est une matière très dure, donc inrayable, sauf par le diamant. Mais c'est une matière cassante, les gens le savent moins, tout comme la céramique qui est inrayable. Donc ils ne font pas forcément attention à leur montre. Et donc on a des pompes renforcées, des verres renforcés. Ça va jusqu'à 4 mm d'épaisseur en fonction des montres qu'on a. C'est ouais. Ça, ouais, ouais. Les montres du Raid notamment. Par exemple, oui. Mmh. Ouais. Et puis pour la partie aviation, je suis devenu ami avec Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden. Oui, ça, j'avais vu la photo. Qui est à la fois rockstar et pilote de son propre Boeing 747. C'est ça, ouais. Et on a sympathisé. Et lui, c'est un lien par rapport à notre communauté d'amateurs de montres, avec des métiers totalement différents les uns des autres. Mais c'est notre meilleur égérie, quoi. Si on devait créer quelque chose en commun, il faudrait que ça soit... Pour moi, autour de la pendulerie. Pourquoi pas, On pourrait faire une collab avec Matt et le chanteur de Iron Maiden. On a prévu on a déjà prévu de faire une deuxième montre avec Bruce, donc j'attends avec impatience. Vous voyez sur scène, par exemple, une horloge un peu ordinaire. Ah, une horloge monumentale, ouais. On vient de créer un nouveau modèle. Ça, c'est pas mal. Kamel, bravo. Voilà, maintenant, sur... Il n'y a plus qu'à dire. Si le caméraman s'en met, il s'en rend. Excellent. Et voilà. Ouais. Très bonne idée. Ah ouais, c'est clair qu'une horloge qui viendrait, une très grosse pièce, qui viendrait à un moment donné être pilotée pour envoyer des sons particuliers, c'est top. C'est chouette, ouais. C'est une aventure humaine, quoi. Horlogère humaine. Merci pour cet entretien, cher Philippe. Merci, cher Fabrice. C'était une aventure. Après 25 ou 30 années d'horlogerie, toujours le même plaisir de se retrouver. On a du chemin.